el tiempo en el reloj. Dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso robado queda siempre por atrás. No es nuestra culpa que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos. En el alma se nos pegaron y con otro no comparamos. Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura. Los cueros van en la sangre, del pequeño hasta el más grande. Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. A ti mi buena aventura. Con amor te lo dedicamos. Maman, s'il te plaît, allez. Écoute, toi, tu vas voir papa et moi, je vais au concert d'Ivan. Ah, ma chérie, désolée, mais ça n'est pas négociable. Allez, viens, il faut que tu soutiennes aussi et ton père. Et qui est-ce qui va soutenir mon frère, alors? Tout le village, chérie, tout le monde. Zut, alors, on est en retard. Bon, ça va, on est là. Ah, mon Dieu. Regarde, regarde, c'est ton père. Hé hey. Franchement, il n'y a que lui pour organiser un truc aussi casse-pied un samedi soir. Tu connais ton père, il fait toujours le contraire de tout le monde. Merci beaucoup. Je voudrais aussi qu'on applaudisse le meilleur orchestre du monde, l'orchestre Chirimisan. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Quant à moi, je voudrais remercier la plus jolie femme de cette ville. La femme qui m'a volé mon cœur, la femme de ma vie, la femme qui sera la mère de mes enfants, Camélia. On l'applaudit bien fort, viens là mon amour. Qu'est-ce qu'il peut être naïf, papa, hein? Il pense que les gens préfèrent venir ici au lieu d'aller au Canet pour écouter jouer le groupe d'Ivan. Ça doit être en train de chauffer là-bas. Chut, tais-toi, tu veux, ça va commencer. Ne fais pas de bruit. Mon Dieu, il n'y a personne. Oh. Tu crois que papa est en train d'attendre jusqu'au dernier moment, au cas où quelqu'un se serait trompé et viendrait? Je sais pas, ma chérie, mais en attendant, je vais prier la Vierge de Santa Marta des fois qu'elle ferait un petit miracle. Et qu'elle aura plus de jours avant que le concert ne commence. Oh, mon Dieu, s'il te plaît, fais venir plus de gens, s'il te plaît, je t'en supplie, écoute mes paroles. Je t'en supplie, mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oh, mon Dieu, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie de toutes mes forces. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, Abelardo, ça y est, l'église est pleine? Tu veux savoir la vérité? Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde que ça. Plus ou beaucoup plus? Les gens d'ici, ils s'en fichent de la culture. Tu sais quoi? Laissons tomber, tant pis. On annule et on va au Canet s'éclater avec la musique d'Ivan. Qu'est-ce que tu dis? Non, monsieur. Nous, au moins, on est de vrais musiciens. Et on a pris un engagement avec l'art et la culture, tu entends? La musique qu'on joue, c'est de l'art, pas comme ce boucan que mon fils Ivan considère comme de la musique. Alors préparons-nous, les enfants. Parce que ce soir, on va jouer pour gagner, pour que cette ville apprenne à apprécier la vraie grande musique, la musique classique. Oui ou non? Bah dis donc, t'en fais une tête toi, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Pourquoi tu vas pas dire à Ivancho qu'il te rend malheureuse? Dis-lui, n'aie pas peur, vas-y. Malheureuse? Celui qui me rend malheureuse ici, c'est toi, qui rentre jamais à temps. Alors concentre-toi, occupe-toi de tes affaires et arrête d'inventer des idioties. Mais enfin, calme-toi et ne t'énerve pas, hein? Alors les copains, hein? Dis-moi mon avenir.
Alors ça va, boule de billard? Ben dis donc, il lui manquerait pas un peu de tissu à cette robe? Camélia, il y a une de tes amies qui est en train de te chercher. Va voir, elle est à l'entrée. À tout de suite, chérie. D'accord, bébé. Ah, mon petit Ivan. T'étais où? T'as loupé la première partie. Et papa, ça s'est passé comment son concert, hein? Un concert, ce machin-là, c'est une tragédie, oui. L'église était vide. Même le curé n'était pas là, t'aurais dû voir ça. Le curé? Le curé, il est là-bas, tu le vois? Il est en train de bénir tout l'alcool du canet, ton curé. Ah non, ça alors, c'est incroyable. Ça me fait vraiment de la peine pour papa. En même temps, s'il était moins têtu aussi, c'est à toi ça? Non, il est pas têtu, mais il passe son temps à critiquer tout ce que je fais. Tu vois, je crois qu'il veut nous faire concurrence, mais nous, on est bien établis ici, tu vois. Les gens nous aiment. Franchement, j'aime beaucoup la musique qu'il joue. Crois-moi, je la trouve très très belle. Mais les gens, ce qu'ils aiment, c'est s'éclater. Pour eux, la musique, c'est pour danser, regarde-les. Ils adorent ça. C'est vrai. Bien sûr. Allez, vas-y. Comme ça. Parle. Comme ça. Parle. Comme ça. Parle. Bonsoir. Vous n'avez pas vu Xiomara? Bienvenue, merci d'être si nombreux. Bon, ben, qu'est-ce que je peux dire? Je voudrais vous remercier d'être venu partager avec nous cette soirée en compagnie des plus grands compositeurs de musique classique. Nous allons commencer avec une pièce du maître Haydn. Donc, mesdames et messieurs, voici pour vous le concerto pour orchestre à cordes, opus 1. Que tu madre te dio un día no supiste obedecer, porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó, con su risa te engañó, se robó tu corazón, y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar, en planes quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar. Non, on arrête ça immédiatement. On arrête ça. Allez. Hé, Edmundo! Edmundo! Va plutôt cuver ton vin là où tu l'as sifflé. Abelardo. Attends-moi. Vous n'êtes qu'une bande d'ignorants et de païens. C'est pour ça que vous aurez toujours une vie médiocre. Et c'est pour ça que la société va aller de plus en plus mal. Un culte. Ignorant. Écoutez de la musique classique au lieu de votre musique de sauvage. Dis-moi à qui t'es en train de parler, au juste. On est tout seul. À qui, à ton avis? À ton fils, bien sûr, et à tous ceux qui n'arrêtent pas de déverser dans la tête des gens la musique de maintenant qui est une cochonnerie en paro. Une cacophonie exécrable. Une cacophonie exécrable. Voilà ce que c'est. Mais je ne vais pas en rester là, tu entends? Parce qu'Ivan, il va m'entendre. Toi, tu n'iras nulle part. Comment ça? Bien sûr que j'y vais. Parce que s'il n'était pas en train de jouer là-bas, dans ce dépotoir, ce soir, l'église aurait été pleine en paro. Non, monsieur. C'est toi qui as fait une erreur. À cette heure-ci, les gens d'ici, ça ne les intéresse pas à la culture, ok? Ce qu'ils veulent, c'est danser. Tu aurais très bien pu décider de faire ce récital demain après la messe, par exemple. Hein? Mais non, ce qui t'intéresse avant tout, c'est concurrencer Ivan. En plus, il t'a proposé de changer ton horaire. Mais c'est toi qui n'as pas accepté. Je lui ai proposé la même chose, tu sais. Il n'avait qu'à changer l'heure de son concert. Mon Dieu, mais c'est que vous êtes identiques. Non, tu te trompes.
Ivan et moi, on n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, demain, après-demain, jamais, tu m'entends? Jamais on ne se ressemblera, c'est impossible. Tu sais quoi? Tu as raison. Vous deux, vous ne vous ressemblez vraiment pas à ça, non? Mais où tu vas? Je vais voir Ivan. La petite doit sûrement être là-bas. Tu sais très bien ce que je pense de tout ça, ok? Ne t'inquiète pas, il ne va rien lui arriver. Allez, laisse-moi, plus tard. Salut, maman. Ah, te voilà, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Ah. Maman, t'entends ça? T'entends ça? T'as vu comme il chante bien, mon grand frère? Mouah. Maman, qu'est-ce qui se passe? Allez, raconte-moi, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Rien, c'est que je suis tellement heureuse d'entendre ton frère chanter aussi bien. C'est tout, ma chérie. C'est pour ça ou tu t'es disputée avec papa? Non, pas du tout. En fait, je suis venue te chercher. Tu n'as rien à faire ici à cette heure, ma chérie. Ah non, maman, je suis majeure maintenant. Mais tu es quand même une fille bien élevée. Allons-en, ma chérie, je ne veux pas avoir de problème avec ton père. Non, maman, laisse-moi encore un peu. Allez, allez, allez. C'est beau, ça. Qu'est-ce qu'il chante bien, mon fiston. Ciao, Ivan. Qu'il vive pour toujours. Et vive la bonne musique, qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Ouais, trop bien. Vous avez été géniaux, géniaux, impeccables, je vous jure. Ce soir, vous avez joué comme les grands, comme un orchestre de haut niveau, vraiment. Je vous félicite, les enfants. Bravo, merci. Bon, ok, d'accord, arrête de nous féliciter autant, mon pote. Et parlons de choses sérieuses, parce que je te vois venir, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe avec le fric, Dieguito? Vous ne seriez pas en train de vous la péter un peu trop, les mecs? Quoi? Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez, non. Comment vraiment. Ça, tu vois pas? T'es quand même gonflé. À boule le fric, il y a eu plein de monde ce soir dans ton bar. Il y a combien de personnes qui sont venues nous voir? Ouais, dis-nous. J'ai compté 364, mais je suis sûr qu'il y en avait plus, non? Non, c'est presque ça, Rengo, tu vas voir. Il y a eu 372 personnes, exactement. Yeah, vous avez entendu ça, les gars? Ça fait presque 400 personnes qui se sont éclatées avec notre musique. Ouais, c'est vrai. Donc, 372 entrées à 30 pesos chacune, c'est ça? Ça fait combien, ça, Rengo? C'est combien? C'est un super bon début pour démarrer, les enfants. Ouais. Il n'y en a que 20 qui ont payé leur entrée. Quoi? Comment ça? Et les autres? Ben les autres, ils étaient sur la liste des invités. Attends une seconde, toi, qu'est-ce que tu racontes? Quelle liste d'invités? Oui, ben la liste que m'a donnée la demoiselle qui est là. Fais attention à ce que tu dis, toi. Ivan, tu m'avais dit que je pouvais inviter des gens. Ouais, bien sûr, mais c'est que... c'était pas une raison pour inviter tout le Pacifique non plus. Hé, bah alors t'es encore là, toi? Tu n'as pas envie d'aller te coucher? Non. Je suis encore beaucoup trop énervée, tu vois. Ça ne me plaît vraiment pas ce qui s'est passé ce soir, tu entends? Moi non plus, Amparo. Franchement, quel manque de respect, ce vieil ivrogne en train de ronfler. Oh, ne fais pas l'idiot! Tu sais très bien de quoi je parle. On vit ensemble depuis assez longtemps pour que tu n'aies pas à comparer l'amour que je sens pour toi avec celui que je sens pour Ivan.
Oui, mais n'oublie pas que tu m'as fait une promesse, tu te souviens? Et alors? Parce que tu ne me crois toujours pas? Tu crois que je ne vais pas continuer à la tenir? Je veux seulement vous protéger. C'est pour ça que j'ai essayé d'éviter qu'Ivan finisse par faire ce genre de musique. Oui, mais voilà, c'était compté sans l'ironie du sort. Après tout ce qu'on a fait pour essayer de l'éloigner de cette musique, il finit justement par en faire sa profession. Ça doit être parce que les chiens ne font pas des chats. Voilà, j'ai bien compris. Tu dis ça parce que tu regrettes encore d'avoir renoncé à tout ça? Tu regrettes la décision que tu as prise? Ou tu aurais préféré perdre Ivan pour continuer à avoir la vie que tu menais? Dis-moi. Ce soir, je me suis rendu compte que rien ne peut remplacer le bonheur d'avoir mon fils Ivan à mes côtés. Et pour ça, je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Je continuerai à tenir ma promesse. Mais toi, promets-moi quelque chose. Arrête la rivalité avec Ivan, s'il te plaît. Bon, tu sais que les bons comptes font les bons amis, pas vrai, Ivancho? Ouais, mon pote, bien sûr. Mais on va être raisonnable, d'accord? Bien sûr. 50 pesos chacun, tiens, voilà. 50? C'est quoi ça? Si tu me l'avais dit avant, je serais pas venu, mon vieux. Non, bah non. Avec ça, je peux même pas rentrer chez moi, tu vois? Non, y en a marre. Arrête d'être aussi radin, mon pote. C'est vrai, Diamantino a raison. Attends. J'ai pas joué pour rien. Allez, viens, on se tire. Écoute, Ivan, on joue pas gratuitement, même si l'orchestre est super bon, tu peux pas nous faire ça. Si tu veux qu'on joue avec vous, tu vas devoir nous payer un peu plus que le prix d'un café. Ne sois pas si radin, c'est vraiment la honte, mec. Non. Hey, les mecs, attendez. Hey, Ringo, Diamantito, partez pas. Allez, les potes. Je crois qu'on est tous fatigués, mais venez, on va se faire une bonne bouffe. Et avec le ventre plein, on analysera mieux les conséquences de tout ce qui s'est passé hier soir, d'accord? Les conséquences de tout ce qui s'est passé hier soir? Tu parles sérieusement? Les conséquences de tout ce qui s'est passé hier soir, c'est qu'on va se retrouver ici sans boulot et sans un sou si on continue à jouer gratis dans ce trou paumé. Dis-moi une chose, à quoi ça sert qu'on soit si bon, hein? Pour qu'on nous paye ça? Seulement ça, mon pote, hein? Ouais, je sais, mais ce qu'on devrait faire, c'est chercher de nouveaux horizons, un endroit où les gens apprécient vraiment la musique, pas ceux de Bonaventura qui nous payent le lance-pierre. Bien sûr, un endroit où vous serez réellement payé pour ce que veut votre travail et ne plus devoir vivre de la charité de gens qui s'en fichent ou qui n'ont pas un rond. C'est vrai. Écoutez, si à Buenaventura, personne n'est capable d'apprécier notre musique, eh ben on n'a qu'à aller à New York dans ce cas. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu devrais manger quelque chose, tu sais. La faim te fait dire des idioties, mon pote. Tu vas recommencer avec le même baratin? Non, mon pote. Calme-toi, c'est pas du baratin. À New York, il y a le centre du monde, le Latin Bronx, mon gars. C'est là que vont tous les orchestres qui veulent percer. C'est vrai, Celia, Pacheco, Feliciano, ils sont bien arrivés. Alors pourquoi on pourrait pas faire la même chose, hein? C'est là qu'est le temple de la salsa, c'est là qu'on doit aller si on veut percer. L'orchestre Chirimi sonne, je vois déjà les affiches courir les rues de la ville. Ouais, t'as raison, il faut qu'on parte à New York. Non mais c'est vrai, les gars, après ce qui s'est passé hier soir, faut vraiment qu'on se réveille, il faut partir au nord pour réussir. T'as une idée d'où on pourrait éventuellement arriver avec ça? À Cali. Et encore. Je crois même pas, mon vieux. Mais une fois à Cali, on pourra trouver un contrat pour aller à Bogota et de là... À New York! Oui, c'est ça ce que nous allons faire. Nous allons? Non, c'est pas vrai. Non, mais je rêve. Tu devrais manger quelque chose, mon gars. Non, les mecs, venez, on va déjeuner. Je vous jure qu'on va jouer au Palladium. Et puis on jouera au Madison Square Garden. On partagera l'affiche avec les meilleurs du monde, la Sonorap. Enfin, qu'est-ce qui leur arrive? C'est pas vrai. Je crois que je peux t'aider à te faire monter dans le bateau, si tu veux, Ivancho. C'est vrai, mon pote? Oui. Tu sais, c'est justement ce dont je rêve depuis toujours. Si tu m'aides à monter dans ce bateau pour aller à New York, je pourrais être connu, je réaliserai enfin mon rêve. Je suis sûr que je peux y arriver, tu sais. Mais bon, dis-moi, est-ce que tu as des papiers? Ou un passeport, peut-être? Un visa? Est-ce que t'as de l'argent? Bah non, j'ai rien, mais bon, je peux en trouver un, sinon je m'en irai quand même. 1 million, Ivancho. 1 million, mon pote? 1 million, c'est le tarif. J'y crois pas. C'est simple, le mec du bateau, il faut lui donner la moitié. Et l'autre moitié, c'est pour moi, pour pouvoir assurer l'entrée dans le port. Attends, si on est deux à y aller, tu crois que tu pourrais faire un petit rabais? C'est que je pars avec ma copine. Non, Ivancho, et puis quoi encore? C'est comme ça, 1 million par client, tu entends? Si tu veux aller à New York avec ta copine, tu dois m'apporter l'argent en cash et puis c'est tout. Tu as 2 semaines. 2 semaines? Tu rigoles? Oui, le bateau qui va à New York a quitté le port de Valparaiso. Et c'est dans ce bateau que tu partiras. Si tu trouves le fric, bien sûr. Eh bah, tu peux me croire. Ah, je l'aurai ton argent, ok? Dans 2 semaines, je serai là avec le fric et ma copine. Et on montera dans ce foutu bateau Cap New York, mon pote. Crois-moi. Tu peux compter sur moi, tu m'entends? Hey, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi pourquoi tu fais cette petite tête toute triste bête. Hein? Parce qu'on a gagné que 3 sous? Ou parce qu'Yvan est en train de sortir avec Camélia? Raconte-moi.
Je te jure, ça me fout en rogne de voir comment Yvan perd son temps avec des femmes comme Camélia. T'as vu? Cette idiote se rend même pas compte de ce qu'elle raconte. Allez, on s'en va à New York, il faut voir les choses en grand. Elle arrête pas de dire des bêtises. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter qu'une imbécile comme elle donne son avis sur notre orchestre, hein? Ben oui. Là, oui, tu as raison, c'est vrai. Hé! Viens là, garçon! Aujourd'hui, c'est l'orchestre de Camélia. Après Camélia et ses fleurs, après, ce sera l'orchestre de qui ou quoi? T'inquiète, t'en fais pas, je parlerai avec Yvan pour qu'il ne mêle pas ses petites nanas avec les problèmes de l'orchestre, parce que sinon, on s'en sortira pas. Bah non. Tu verras. Alors, salut, ça va? Bonjour. Tu peux nous apporter deux petits cocktails bien tassés, ok? Avec beaucoup de glaçons, s'il te plaît, ouais. Oui, tout de suite. Super, merci. Dis-moi, tu aimes Yvan, oui ou non? Déo, mais t'es fou! Et un peu de respect! Hey. Yvan est notre meilleur ami, c'est pas difficile! On tombe pas amoureux de ses meilleurs amis. Arrête de te mêler des affaires des autres et le respect! Je te préviens. Je te surveille, petite sœur. Arrête, laisse-moi. Papa, dis donc, ça swing, ça. Eh bien, te voilà, toi, c'est pas trop tôt. Alors, Ivan, dis-moi, ça ne t'ennuie pas d'avoir privé les gens d'une bonne dose de culture musicale? Je crois qu'ils étaient contents, papa. Ils sont éclatés jusqu'au lever du soleil, tu sais. Écoute, papa, ce qui se passe, c'est pas que les gens soient incultes. C'est juste qu'ils ont une autre culture. Ils ont une autre culture, ils ont pas la même façon de voir le monde, c'est tout. Ils sont pas comme toi. Je te jure, papa, si t'avais vu à quel point ils étaient contents d'entendre jouer de la salsa hier soir dans ce bar... Oui, tant qu'ils s'éclateront avec ce genre de choses, ils seront en train de couler dans l'océan de la dépravation. S'il te plaît, Ivan, arrête de polluer le cerveau des gens avec cette cochonnerie, tu entends? Non, papa, dis pas ça, c'est pas une cochonnerie, enfin... C'est notre musique, ça! C'est cette musique-là que les gens aiment écouter pour se détendre! Qu'est-ce que tu dis? La musique que les gens écoutent en buvant dans les bistrots? C'est ça que tu appelles se détendre? C'est ça que tu veux, Ivan? Que les gens boivent et boivent jusqu'à la mort? Tu crois pas que t'es en train d'exagérer un peu, papa? Si les gens faisaient vraiment ce qu'on dit dans les chansons, ils seraient heureux, papa. Amoureux, ils vivraient. C'est toi qui devrais écouter de la musique populaire, papa. Ah oui? Ouais, et peut-être que t'arrêteras de me faire la guerre toute la journée, je te comprends pas. Tout ça parce que j'ai pas voulu devenir le Mozart créole, tu parles. Ne sois pas prétentieux! Tu te compares avec Mozart et puis quoi? Papa... C'est pas de l'arrogance de ma part. Je suis musicien, pareil que toi. Tu sais, la musique qu'on joue avec l'orchestre est tout aussi respectable. Elle a son importance, son identité. Cette musique, elle plaît beaucoup aux gens, même à maman. Hier soir, elle est venue m'écouter, mais j'ai bien vu qu'elle souffrait parce qu'elle sait parfaitement que t'aimes pas que je sois heureux de faire la musique que toi t'approuves pas. Comment ça? Amparo! Amparo, viens ici! Mais enfin, pourquoi tu peux pas respecter ce que je fais, hein? Amparo! Abelardo, c'est quoi ce raffut? Bonjour fiston, mais qu'est-ce qui se passe? Alors comme ça, hier soir, tu y allais encourager ce garçon pour qu'après il se prenne pour un chanteur? T'es pas obligé de parler à maman sur ce ton, papa. J'en ai assez que tu veuilles imposer ta loi à la maison, je commence à en avoir marre. J'exige un peu de respect, tu entends? Ce n'est pas toi qui va me dire comment je dois m'occuper de ma maison et de ma famille. Quoi? Ah, tu te crois très malin maintenant? Tu te prends pour un homme parce que tu chantes pour des ivrognes dans un bordel? Abelardo, tu arrêtes maintenant. T'inquiète pas, maman, je vais pas me laisser impressionner par ce monsieur si cultivé qui ne sait rien faire d'autre que crier et menacer. Un jour tu verras, papa, je vais rendre noble cette musique profane, inculte et vulgaire comme t'arrêtes pas de le dire, tu m'entends? Moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ce pays. Ici tout le monde me connaît. Et tous sans exception savent que ma musique fait partie d'eux et de leur vie. Ici personne ne vit de la musique. Atterris, Ivan, mets-toi au travail. Termine donc tes études. Tu vas voir, papa. Je te préviens, je te parle très sérieusement. Je serai le musicien colombien le plus important de tous les temps. Grâce à moi, la musique colombienne va briller dans le monde de la salsa. Et quand je serai en haut de l'affiche, papa, quand je serai en haut de l'affiche, j'espère que tu pourras te sentir un tout petit peu plus fier de moi, tu m'entends? Vous deux, alors, vous allez me faire mourir de chagrin. Alors? Le professeur Abelardo t'a remonté les bretelles? Non, pas trop. Faut pas dramatiser, tu sais. En fait, il s'est rien passé. Bon, ok, d'accord, je dois avouer qu'on a eu une petite discussion.
Il m'a dit que c'est de ma faute si la seule musique classique qu'on entend à Buenaventura, c'est celle de la Sonora Matancera et de l'orchestre de Chanet. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est pour ça qu'il t'a mis à la porte, c'est ça? Quoi? Non, tu te trompes complètement. Non, il m'a pas mis à la porte. Ça faisait longtemps qu'il savait que je voulais partir. Bon, et ton frère, quoi? Il a fini de faire sa valise ou quoi? Quelle valise, Yvan? Comment ça, quelle valise, mon pote? On doit partir à Cali, mon vieux. À Cali, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? On va devenir les rois de la salsa, mon gars. Cali, c'est que la première étape du voyage qui va nous emmener tout là-haut, en Amérique du Nord, à New York, mon pote. Tu parles pour nous deux, là? C'est toi qui voulais partir à New York, pas moi. C'est justement pour ça qu'on doit aller à Cali. Il faut qu'on gagne 1 million pour pouvoir acheter le billet de bateau qui va nous emmener tout là-bas. Ce type, quand il dort pas assez, il devient un peu... Hey, arrête, sois un peu sérieux, s'il te plaît. Allez, va faire ta valise. Si on reste ici à parler sans se bouger, on va finir par prendre racine, mon vieux. Tu sais quoi? Bah, moi, je vais aller faire ma valise, tiens. Hé, où tu vas, toi? Du calme. Modère un peu ton enthousiasme et toi, arrête de raconter toutes ces bêtises, mon vieux. Les choses ne sont pas si simples. Dis-moi comment tu voyais les choses, toi, hein? Tu crois qu'on va arriver à Cali et qu'on va dire « Salut, on est un excellent orchestre de salsa, oui, c'est ça ?» et que le lendemain, on aura déjà un contrat? Non, mais tu rêves. Comment peux-tu prétendre emmener les gens comme ça à l'aveuglette, hein? Sans parler du risque que tu fais courir à ma sœur. Non, monsieur. Amadeo, je suis désolée, mais je crois qu'Ivancho a tout à fait raison. Comment veux-tu qu'on nous engage si personne ne nous a jamais entendus, hein? Et comment on va nous écouter si on sait pas qu'on existe? Il faut qu'on parte. Et moi, je vais aller faire ma valise. Attends. Attends. Non, attendez. C'est Amadeo qui a raison. Non, c'est vrai, ma grande. Écoutez, il vaut mieux que tu restes. Réfléchissez, pour décrocher un contrat à Cali, on n'a pas besoin d'y aller toute la bande. Non, mais c'est vrai, ce qu'on doit faire, c'est enregistrer une cassette. C'est bon! Cet enregistrement, il va déchirer, mon gars! Ce truc, ça swing à faire peur! Écoute-moi ça! Ah, mon amour, je veux que tu me donnes une copie de cette cassette pour t'écouter chanter toute la journée! Hé, hey, Dieguito, tu pourrais me faire une copie pour ma copine? Ah, Dieguito, tu sais quoi? Moi aussi, je voudrais une copie pour pouvoir écouter nos chansons tous les jours, d'accord? Et puis aussi une pour moi et une pour mon pote Diamantino, pas vrai? Bon, bah c'est réglé, une copie pour chacun, d'accord? Ok, ouais. Pas de problème! Hey, Dieguito, alors combien ça va me coûter tout ça? Rien, ça ira, t'inquiète pas. C'est un cadeau de Diego Saltita et le Canet. Ah, parce que super. Quand cette chanson fera un tabac à Buenaventura, tu parles, tout le monde va vouloir venir ici, tu vas voir. Mon amour, viens que je te dise une chose. Écoute-moi, ça te dirait de passer la nuit chez moi? Voilà, ma mère est partie à l'Adrios et du coup, eh ben, on a la maison pour nous tout seuls. C'est vrai, bébé? Ah, tu sais que c'est ce que je désire le plus au monde, mon amour. C'est génial, ça. Allons jouer dans le bois pendant que le loup n'y est pas, mon amour. Alors vite, parce que j'en ai tellement envie. Eh, hey, du calme, les tourtereaux. C'est ici que vous allez vous dire au revoir. Dès qu'on aura nos copines, nous, on se tire, mon pote. Comment ça, vous vous en allez? Mais dis-moi, où est-ce que vous allez? À Cali, mon amour. C'est que on a juste 2 semaines pour trouver l'argent des billets du bateau qui va nous emmener direct à New York, ma chérie. Et là, rien ni personne ne nous séparera, ma petite chérie adorée. Bon, eh ben nous, on vous attendra avec impatience. Eh, j'espère que vous trouverez vite un contrat. J'en ai marre d'être pauvre. Je veux être millionnaire, moi. J'en ai marre, copains, les gars. Faites gaffe. On est bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. Et en avant. Souhaitez-nous bonne chance, hein. C'est notre avenir qui est en jeu, les gars. Ouais, bonne chance. Allez. Allez, salut. Tu vas beaucoup me manquer. Eh, ciao, mon pote. Prends soin de toi. Fais attention. Je t'aime très fort. Prenez soin de ma petite sœur, les gars. T'inquiète pas. Eh, t'en fais pas, je m'occuperai d'elle. Allez, à bientôt. Ouais, ma grande, essaie de manger plus, ok? Ça te ferait pas de mal de grossir un peu? Vous prenez soin Allez, de vous, d'accord? On est en route pour Cali, les Attention gars. Attention les pieds. Enfin, si on arrive en vie. Eh, hey, rapportez-nous quelque chose, hein. Et vous de ma sœur, d'accord? Ah, pour ça, ne t'en fais pas, je le ferai avec plaisir, ne t'inquiète surtout pas. Salut, et bonne chance, hein. Très bien, mais non, désolé. Non.
Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et bonne journée. Au revoir. Ah, te laisse pas abattre, mon vieux, c'est rien. On va chercher un autre endroit, t'inquiète pas, on finira par trouver. N'oublie pas que notre destin, c'est New York, mon pote. Mais enfin, tu vas où, là ? Arrête, lâche-moi ! Arrête, par là, viens ! Enfin, tu veux bien vers toi ! Tu veux que je te dise, tant pis pour eux. Tu sais pourquoi ? Parce que quand on sera à New York, ha ! Alors là, ils vont devoir payer un brin et la moitié de l'autre pour pouvoir nous engager. Tu verras. Eh, hey, donne-moi un peu de popcorn, hein ? Allez, fais plus cette tête, regarde plutôt les belles choses qu'il y a autour de toi, non, allez. Non, attends une seconde. T'inquiète pas, on va finir par y arriver, tu verras. J'en ai ras-le-bol de marcher, mon vieux, je me demande... C'est quoi, oh, ça? Oh, ouais, dis donc, bébé, tu sais quoi? Le jeu ne va pas à tout le monde, mais sur toi, on dirait un soleil. Eh, hey, ferme-la, arrête de draguer dans la rue, ok? Ah, quoi, t'es le seul qui a le droit de regarder, c'est ça? Salut. On y est, c'est là. Tu sais quoi, mon pote? Ouais, je suis sûr qu'on va finir par y arriver. C'est que... C'est vrai, quoi, on est super bon. On a une façon de jouer unique au monde. Aucun orchestre ne joue comme ça. C'est vrai, on est les meilleurs, quoi. Ha! Amadeo? Oh! Ah, bon. Ça va, allez, ferme-la, mon pote. Ouais, on nous laissera. Ta gueule. On nous laissera. Arrête, arrête. Ouais, va te coucher. Ouais, on nous laissera. Allez, et vive l'amour. Va te coucher, arrête. Hé, promets-moi une chose. Que jamais on finira comme eux à devoir chanter dans la non, rue, s'il te plaît. Non, t'inquiète pas, ça je peux te l'assurer. Ça arrivera jamais, je te le jure. Tu comprends pas qu'on va devenir le meilleur orchestre du pays, du continent même. Rien à voir avec les chanteurs de rue. Je te promets qu'on n'arrêtera jamais de travailler. Fais-moi confiance. Ah, oh, ça alors. Tu me laisses toujours parler tout seul, franchement. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ouais, Ivan Shaw, c'est toi qui as toujours raison, mon pote. Et au clavier, c'est moi qui joue, juste pour que tu saches. Bien, bien, et qui est-ce qui fait les arrangements? Ah, c'est ce petit génie qui est là. Bien, t'as une bonne voix, mon gars. Ben ouais, je suis beau aussi sur scène, qu'est-ce que tu fais? Ça va, toi? Vous faites de la bonne musique, c'est ça qui est important, ouais, non? Nickel. Bon, mais dites-moi, vous êtes combien dans l'orchestre? Ah, bon, ben, nous, en fait, on est 8, mais si tu veux, on peut être 2 de plus pour avoir un son plus puissant, non, tu non, vois. Non, 8, c'est parfait. En fait, c'est le nombre idéal de musiciens pour constituer un orchestre, vous le saviez? Oui, bien sûr. Ouais, c'est vraiment bien, ça. Thierry Misson, bien, bien, vous avez un son intéressant. Bon, ben alors, quand est-ce qu'on signe, mon pote, pour qu'on puisse se mettre à jour? Eh bien voilà, les gars, à vrai dire, j'ai déjà beaucoup d'artistes, vous comprenez? Mais si vous signez avec moi, je vais vous promouvoir et on fera des choses ensemble. Sérieusement? Ouais, ouais, ouais. mais par contre, je ne peux pas encore vous dire quel jour exactement on commence, ok? Ouais, je comprends, mais bon, ça dépend de vous. Plus ou moins, on est en train de parler de combien de fric par représentation? Eh bien, ça dépend. Vous savez bien qu'au début, on ne peut pas dire qu'on gagne beaucoup d'argent. Ça se fait petit à petit. Ouais, ouais, mais bien sûr. Attendez, les gars, vous savez quoi? On va faire une chose. Laissez-moi votre cassette et votre numéro, et je vous appelle dès que j'ai quelque chose. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Non. Non, désolé, non. Non, on peut vraiment pas laisser notre cassette en ce moment, alors, Rien, merci de nous avoir reçus, mais nous, on veut commencer. En fait, on a besoin de commencer tout de suite, on peut pas attendre, tu vois, alors ça va pas être possible. Bon, salut. Bon, merci. Bah, tant pis. À bientôt, merci, peut-être. Merci, au revoir. Hé, Yvan! Viens là, attends, hé, arrête-toi. Non, mais t'es pas un peu cinglé d'arracher la cassette des mains du type qui va nous permettre de jouer à Cali? Quoi? Non, mais t'es fou? Ce mec, il nous fera jouer nulle part. J'en mets ma main à couper, mon pote. C'était des bobards, tout ce qu'il nous a raconté, mon vieux. T'as pas vu toutes les cassettes de mecs comme nous qu'il y avait dans sa boîte, franchement? Tu veux voir notre musique piratée par d'autres groupes, c'est ça? Non, moi, je veux pas terminer comme ça, tu m'entends? Moi, ce que je veux, c'est aller me produire à New York, mon pote. Quoi? Ça suffit avec cette histoire. Oublie ça. Pourquoi tu crois qu'on nous a rien proposé à Cali? Pourquoi?
Parce qu'on n'est même pas au niveau, mon vieux. Parce que l'orchestre de Chirimison ne vaut rien. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? On n'est pas encore sortis de notre trou, mais toi, tu te vois déjà en train de jouer à New York. Hé, attends, viens là, toi. Ok, je sais que c'est pas simple, mon vieux, et que tu crois qu'on n'est pas mieux que les autres, mais je suis persuadé que c'est pas vrai, mon gars. Tu sais bien que tout le monde aime la musique qu'on joue. Amadeo, même le mec du bar, pas vrai? Allez, allez, sois pas si négatif, s'il te plaît. Non, je suis pas du tout négatif, Yvan. Je suis juste réaliste, mon vieux. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Il se passe rien. Si ici non plus, il n'y a rien à faire, bah je préfère autant rentrer chez moi, mon vieux. Et comment tu vas faire? On n'a même pas de quoi payer les billets. Je m'en fous, je verrai bien. S'il faut, je veux bien chanter dans un camion. Mais je veux pas rester ici à attendre un miracle qui n'arrivera jamais, d'accord? Notre collaboration s'arrête ici. Reviens! Reviens, Amadeo! Reviens! Je sais qui va nous offrir notre premier contrat, Amadeo! Reviens! T'es complètement marteau, mon gars! Hein? Laisse-moi faire, ok? Fais-moi confiance pour une fois dans ta vie, s'il te plaît. Bonjour! Bonjour! Salut! Comment ça va, princesse? C'est que... je suis désolé de venir te déranger, mais voilà, hier, j'ai pas pu éviter d'entendre un homme, un type très chanceux, qui, d'après ce que j'ai vu, t'a fait une demande en mariage, et comme moi et mon copain, on a le meilleur orchestre du Pacifique, bah, on est venu te proposer, au cas où ça t'intéresserait, d'avoir des musiciens qui jouent pendant la fête. Et, une question, ma belle. Vous avez déjà engagé un orchestre? Bonsoir tout le monde et bienvenue. Je suis très heureux de vous voir tous ce soir et spécialement de voir un couple que nous avons aimé dès le premier instant où ils sont apparus dans notre vie. Et si vous ne me croyez pas, demandez donc à mon copain. Et je parle bien sûr de Doris et José, que je vous demande d'applaudir bien fort. Quel joli couple ils font, vraiment. Que Dieu les bénisse et que l'amour qui les unit grandisse de jour en jour dans leur cœur. Vraiment. Santé. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici pour vous l'orchestre Chirimison. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, bon garçon. Amen. Tu sais, maman, je veux pas que tu t'inquiètes. Je sais très bien ce que je fais, ok? Je sais. Pas... tu lui diras au revoir de ma part, d'accord? Oui. Maman, je te promets que dès que je serai arrivé à destination, je t'appelle pour te prévenir. Comme ça, tu seras tranquille. Oui. Oui, mon garçon. Prends soin de toi, d'accord, maman? Que Dieu te bénisse. Toi aussi, mon amour, prends soin de toi.
t'inquiète, mon amour. Tu es la femme qui va me permettre de réaliser tous mes rêves, tu sais. Allez, on s'en va. Mais c'est lequel? Viens, chérie. Mais dans quel camion on va partir? Attends une seconde. 35, 43, c'est celui-là. C'est le camion dont m'a parlé Kiké. Viens, mon amour. Allez, monte. Oh, c'est ouvert. Allez, monte, mon amour. Fais attention, bébé, hein. À l'entrée du port. Ils sont en train de fouiller le camion. Oh mon Dieu, pour vous qu'ils ne nous voient pas. C'est bon. Descendez. Attention, doucement, doucement. Attention. Bon, Ivancho, vous êtes ici et moi j'ai fini. Attention, si jamais on vous trouve, Ivancho, tu ne me dénonces pas, ok? Non, bien sûr, je ferai jamais une chose pareille, mon vieux. J'ai confiance en toi. Ah, tenez, mettez ça. Vous serez plus discret. Tenez. Voilà. Ça te va bien en plus. Bon, écoute-moi, Ivancho. Regarde. Ça, c'est le bateau. Attention. 10 minutes avant de partir, on vous lancera une échelle. Le mec est prévenu, il a déjà eu son fric. C'est clair? Ouais, c'est Ivancho, très clair. Ivancho, j'espère que t'auras beaucoup de succès à New York, mon vieux. Et que tu deviendras un chanteur très célèbre, ok? Mais ouais, tu vas voir, mon pote. Tu vas bientôt pouvoir te sentir super fier de moi, tu sais. Ça, c'est parlé, Ivancho. Bravo. Salut. Allez, et encore ciao, merci. Ciao, oui. Ciao, ciao. Merci. Et bon courage, à plus. Ben voilà, on y est. C'est le moment de vérité, bébé. Allez, monte en premier, ma chérie. Oh, mon amour, je ne crois pas que je vais pouvoir. Quoi? Comment ça? Bien sûr que tu vas pouvoir, ma chérie. C'est le moment le plus important de notre vie. Allez, Camélia, New York nous attend les bras ouverts. Je te jure que c'est le moment de réaliser nos rêves, bébé. Rien à signaler, capitaine. On largue les amarres? Ok. Bravo, ma chérie, c'est ça, avance. Doucement, chérie, ok? Vas-y, t'y es presque, ma chérie. Ah, allez! Le moment de vérité est arrivé. J'y suis presque. Ah, ma chérie, attends-moi tout de suite. J'arrive, ok? Ah, j'y suis arrivé. Encore un petit effort. Oh.
Tu viens m'aider? Encore un qui veut partir en clandestin. Tout va bien, mon vieux? une minute, laisse-moi monter et je t'explique tranquillement, d'accord? Et toi et moi, il faut qu'on parle. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé, mon gars, d'accord? Laisse-moi t'expliquer, tu vas voir, c'est très simple. J'en ai pour une minute, tu vois, je peux t'expliquer. En fait, c'est très simple. J'espère que tu sais nager, mec.